Bienvenue sur ce tuto Me désinscrire. Nous allons voir aujourd'hui comment signaler une vidéo ou une chaîne sur YouTube. On verra comment le faire sur PC et sur téléphone. Le signalement YouTube est donc intéressant à mettre en place si vous rencontrez un problème sur une chaîne qui utilise par exemple votre contenu sans autorisation, ou même s'il s'agit d'un problème plus grave, c'est-à-dire par exemple une vidéo violente ou choquante que vous avez vue sur YouTube, ou une vidéo qui exerce des menaces ou du harcèlement sur quelqu'un ou même à votre égard. Si vous êtes sur PC, vous vous connectez donc à votre compte YouTube, vous cherchez la chaîne en question dans le moteur de recherche, vous vous rendez sur cette chaîne et vous aurez à droite l'onglet « À propos ». Vous aurez ici les informations de la chaîne. Vous pouvez même trouver éventuellement l'option pour contacter l'administrateur de la chaîne afin de lui envoyer un message. Et à droite, en dessous des statistiques, vous verrez une icône représentant un drapeau. Cette icône permet de signaler une chaîne. Vous avez ici plusieurs options. Bloquer l'utilisateur, signaler un problème au niveau de la photo d'illustration de la chaîne ou de la photo de profil, ou signaler un comportement inapproprié. S'il s'agit d'un problème général de contenu, on va donc signaler un comportement inapproprié. Ici, on aura plusieurs options. Vous sélectionnez l'option qui vous semble la plus appropriée. Par exemple, s'il s'agit d'une chaîne qui copie votre contenu et qui utilise votre image, vous pouvez utiliser usurpation d'identité. S'il s'agit d'un problème d'harcèlement ou d'intimidation, ici, cette option est très importante. Ou si on utilise votre image sans votre accord, vous avez également ici protection de la vie privée. Je vous laisse explorer selon votre problème et si jamais vous ne trouvez aucune réponse parmi les propositions, vous avez également cette option. Aucune de ces propositions ne décrit votre problème. Donc ici, on va prendre l'exemple de l'harcèlement et de la cyber-intimidation et on nous demande par exemple de sélectionner les vidéos inappropriées qui sont concernées. On notera que les étapes de signalement peuvent être différentes en fonction du cas de signalement. On va prendre pour exemple une vidéo, on clique sur suivant et on peut ajouter ici une remarque. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur envoyer et voilà, vous avez ici signalé le contenu. YouTube précise qu'il le supprimera s'il constate qu'il ne respecte pas les règles de la communauté. Vous pouvez directement signaler une vidéo en la sélectionnant. Vous sélectionnez la vidéo en question. À droite de celle-ci, vous sélectionnez les trois points et vous sélectionnez ensuite signaler. Vous sélectionnez le problème en fonction de la vidéo. Ici, par exemple, on va sélectionner non-respect de mes droits. Et on va par exemple porter réclamation pour des problèmes d'atteinte aux droits d'auteur. On est renvoyé directement à la page du centre d'aide Google. Je vous invite à lire attentivement la page sur laquelle YouTube vous aura renvoyé, qui traite de votre problème. Et là, une fois que j'ai vérifié que ma demande est pertinente, je peux envoyer une réclamation. Donc avec ce bouton ici, envoyer une réclamation pour atteinte aux droits d'auteur. Et j'arrive à un formulaire où je vais pouvoir signaler le fond du problème. Donc ici par exemple, si on a copié mon contenu, je sélectionne atteinte aux droits d'auteur. Puis ensuite moi, en fonction de ça, j'ai un formulaire à remplir. Donc par exemple, une vidéo qui a été utilisée sans mon accord, je mets l'URL de la vidéo originale, etc. etc. Vous verrez, le formulaire est assez long et il faudra le compléter avec le plus de minutie possible. Et ensuite, vous pourrez légitimement envoyer votre réclamation. En fonction du problème, les étapes de signalement sont toutes différentes. Je vous invite donc à bien respecter les consignes et répondre aux exigences de YouTube en fonction du souci. Je remettrai dans la description les différents liens pour vous aider à signaler la chaîne ou la vidéo qui vous pose souci en fonction du problème rencontré. Si vous êtes sur mobile, l'option de signalement n'est pas disponible directement dans l'onglet « À propos ». En effet, si on va sur l'onglet en question, on ne voit pas d'icône. Par contre, en haut à droite, en sélectionnant les trois points, vous aurez l'option pour bloquer cet utilisateur. Si vous souhaitez signaler cet utilisateur pour un contenu, il faudra se rendre directement dans la vidéo qui concerne votre problème. Vous sélectionnez cette vidéo. En appuyant sur l'écran, vous voyez l'icône des trois points en haut à droite. Vous la sélectionnez. Et ici, vous aurez l'option « Signaler ». Vous pouvez ici signaler directement votre vidéo en fonction du problème concerné. Par exemple, s'il s'agit encore d'un problème de vie privée et de non-respect des droits, on sélectionne et on signale. Suite à un signalement de ce type, on reçoit un mail directement sur sa boîte mail de la part de l'équipe de YouTube.
Dans ce mail, YouTube nous demande d'apporter des précisions en fonction du problème en utilisant les formulaires adéquats. S'il s'agit d'un problème de droit d'auteur, on voit ici le lien pour les problèmes de copyright, avec un formulaire à remplir en fonction du problème. S'il s'agit de contenu choquant ou d'un abus, vous avez également un lien ici. On accède cette fois-ci au centre d'aide. On aura différentes informations sur le signalement et en bas de page, des options pour signaler soit le non-respect de la vie privée, soit un problème d'ordre juridique, soit des séquences violentes qui représentent la mort ou des blessures graves. Donc par exemple, s'il s'agit d'un signalement de non-respect de vie privée, on a ici un lien pour accéder à la procédure de réclamation. Je vous invite à lire en fonction du cas qui vous concerne. Donc ici, on nous propose de contacter directement le YouTubeur dans un premier temps et ensuite de faire une demande de suppression de contenu. Ici, il y a un lien avec toute la procédure de réclamation qui est expliquée. On continue et ensuite des étapes à suivre selon vos problèmes. Bon, je remettrai tous les liens avec les détails dans la description de la vidéo. Je vous invite vraiment à prendre le temps de lire et de vous orienter en fonction de votre problème. Si je reviens en arrière, par exemple, c'est la même chose pour le signalement d'ordre juridique avec un formulaire en ligne. Et là, on est réorienté vers un formulaire qui est encore différent. Donc notamment en ce qui concerne l'atteinte au droit d'auteur ou l'atteinte à une marque ou la confidentialité. Quoi qu'il en soit, vous trouverez toujours un moyen de signaler et d'approfondir le signalement via le centre d'aide. Encore une fois, consultez tous les liens dans la description de la vidéo. C'est tout pour ce tuto, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres tutos sur Me désinscrire. Passez une excellente journée.